Bienvenue sur Hôtel Éternel. En ce premier jour de Ramadan, allez le mal. Bon, pas manger, je l'avais déjà fait. Pas boire, je l'ai déjà fait aussi. Mais pas manger, pas boire et pas fumer, quand tu es fumeur, c'est balèze le Ramadan. Je vais faire le premier jour par solidarité déjà. Peut-être deux si je tiens, mais demain c'est la fête des mères. Pas ça pour les bonnes raisons, que j'en ai marre du mal sur terre. Moi je veux la paix, je veux rassembler tous les chrétiens, les musulmans. C'est déjà le but du mariage aussi, que je me suis fait arnaquer au Maroc. Mais vous ne comprenez pas la notion d'espace-temps. Solidarité parce que. On a tous le même trou au cul. Il n'y a pas de raison qu'il y en a qui chient sur un chiotte en or massif et d'autres n'ont toujours pas de papier pour se torcher l'oignon. Tu vois. La vie, elle est super injustice parce que l'homme c'est un salopin. On peut être chrétien, mais c'est pas obligé d'être crétin. Enfin, crétin, chrétien, comme tu veux. Moi, c'est pour tout le monde. Je ne connais pas la résonance là, mais le bon Dieu. Tout à l'heure, il y avait un mec sur la 3, les grands du rire, il présentait son bouquin Entre la vie et la mort. C'est comme l'autre Jovanovic. Il parle de trucs qu'ils ne comprennent absolument pas. On existe dans plusieurs endroits, plusieurs époques, dans plusieurs dimensions, dans plusieurs espaces-temps. Mais on vous habitue à voir que ce que vos yeux y voient. C'est qu'on est envahi par la pollution électromagnétique qui met des antennes qui cachent par hélicoptère. Tu vois le truc, l'arnaque. Faut pas que ça se voie. Ils sont en train de contrôler l'âme humaine petit à petit, de tout numériser. C'est pas du tout ça la vie sur Terre. Tu vois, ça gonfle. Moi j'en ai marre. Le plus dur c'est de pas fumer et de pas s'énerver. Pas boire encore, je peux le faire. Pas manger, je peux le faire. Alors, pas fumer, ça doit bien faire 30 ans que ça m'est pas arrivé. La dernière fois où le plus longtemps que j'ai pas fumé, c'est quand j'ai pris l'avion pour aller à Madagascar. En 2007 ou en 2006. Enfin, tout ça pour dire que cette tarlouse du pouvoir, il a commencé à en avoir marre. De vendre des armes, de vendre des guerres, de jouer aux soldats, de former des tueurs, pour foutre la guerre, pour faire du pognon. C'est le mal sur Terre. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Je vais vous le dire depuis 2008, moi j'ai commencé à l'éternel. Évidemment, ma page d'accueil sur le Rigol Rock, il n'y est plus. J'avais mis un super truc, j'expliquais déjà tout. Que j'étais pas une vie, c'est même plus une survie, on me sent déconner.